Et c'est parti pour le vlog numéro 5. Allez, let's go. Coucou les filles. Donc c'est parti pour un nouveau vlog. Le numéro 5 déjà, ça passe. Numéro 5, hein. Oui, numéro 5. Oui, c'est ça. Je me tape des bugs. Il est 9h35, je suis déjà debout. Tout va bien. C'est juste que je dois me rendre quelque part pour 11h30. Faut que j'aille voir une amie. Enfin, une amie. Oui, c'est une amie maintenant. C'est en fait une ancienne élève qui, voilà, qui est. Oulala, vous avez le mal de mer, excusez-moi. Qui. Et pompier volontaire, du coup elle a fait un sauvetage lors d'une intervention et du coup elle a une remise de médaille. Donc voilà, je vais aller la voir vu qu'elle m'a gentiment invitée. Donc ça m'a beaucoup touchée, donc je vais y aller. Je suis très fière d'elle, hein. Et du coup ben, je vais un peu m'activer parce que dans 1h15 il faut que je me motive. Comment vous dire que le réveil était super dur et que voilà, il faut que je cache toute cette misère. Donc je vous dis à tout à l'heure. C'est parti pour une tenue du jour. Donc voilà, j'ai un petit gilet que je savais même pas que j'avais. Comme ça, il est super sympa. J'aime beaucoup, asymétrique comme ça en bas. J'ai mis un pull rouge, j'avais envie. Un pantalon noir, des chaussures noires. Alors je suis vraiment pas du tout... quelqu'un d'original niveau vêtements, mais je suis à l'aise et voilà. Donc j'ai mis mon collier, j'ai rien fait de spectaculaire, j'ai juste fait mes sourcils parce que sinon ils ressemblent à rien, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai trop épilé. J'ai fait un trait de liner, du rouge à lèvres rouge, j'ai mis une bague, ma montre, boucle d'oreille habituelle et ma foi je vais pas tarder à y aller parce que j'ai un peu peur de me perdre. Oui, parce que moi je suis championne, je suis capable de me perdre avec un GPS. Donc je vais juste voir s'il m'a bien pris l'adresse hier soir. Oui, on active le GPS. Enfin, je prends mon portable hein, parce que c'est beaucoup plus simple, parce que mon GPS la dernière fois il voulait pas m'emmener où je voulais. Donc voilà. Je viens d'arriver où je devais me rendre. Et voilà, il n'y a que des pompiers partout. C'est super. Hein? Sandra, petite dédicace à toi, tu comprendras. Donc on va y aller gaiement. Allez, let's go! Ça fait beaucoup de pompiers quand même, tout ça. Hein? Le message d'ambiance du premier chef d'agré indique un embrasement généralisé de la toiture de la maison et fait état d'une personne à l'intérieur du bâtiment. Deux binômes sont rapidement engagés pour rechercher la victime. Le rez-de-chaussée est particulièrement embrasé sur 80 mètres carrés et l'étage est totalement embrasé sur 160 mètres carrés. Le feu a largement percé en toiture. De grands points de tuiles éclatent ou se décrochent en tombant à terre. Au rez-de-chaussée, le feu est en propagation libre. D'importants rouleaux de flammes courent sous les plafonds. Les progressions des binômes d'attaque se rendent difficiles en raison de l'étroitesse, des dégagements, des décombres importants, du volume de matière en flammes et des températures élevées.
La victime a été rapidement retrouvée dans la salle de bain, fermée à clé de l'intérieur. La victime est extraite par le binôme. Elle est considérée en état critique, inconsciente et respire encore. Mais elle a inhalé d'importantes quantités de fumée. Des gestes de secours sont immédiatement pratiqués jusqu'à l'arrivée du SMUR. Terminé, c'était super sympa, j'avais jamais vécu ça, franchement c'était super sympa, j'ai juste adoré, voilà comme, non je vous l'ai pas dit mais c'est un univers franchement qui m'intrigue, tout ce qui est sapeur-pompier et tout, voilà ça m'intrigue, ça me fascine et tout, et voilà là je suis super fière d'elle, elle a reçu sa médaille, elle a fait un sauvetage pendant que... lors d'un feu, donc voilà, et donc je suis super méga fière d'elle. En fait, cette amie, c'est une amie qui est en fait une ancienne élève, donc avec qui j'ai créé beaucoup de liens. Et du coup, voilà, à chaque fois qu'il y a une grande... Et il fait chaud, et je vais essayer de pas me perdre. Avant, j'ai mis le GPS et je me suis perdue. Donc là, je vais essayer de me démerder sans le GPS. On va voir ce que ça va donner. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis à la maison. Hein. Il est 14h42 passé, je suis rentrée, j'ai mangé. Là, rien de folichon prévu au programme. Ouh, si baillé. Je peux rester sur l'ordi, répondre à vos commentaires, regarder, commencer à faire le montage. Je sais pas si je vais faire grand chose encore aujourd'hui. J'ai rien de prévu. Donc on verra par la suite. Voilà. Sur ce, je vais un peu geeker, je ferme un peu ma geek et on se retrouve plus tard. Je crois que je vais finir mon vlog parce que je vais vraiment réellement rien faire ce soir. Voilà. J'ai les cheveux mouillés, c'est normal. J'ai mis de la gelée éclaircissante parce que je vais essayer d'éclaircir un peu ma couleur. Sans forcément passer par la case coiffeur. Donc voilà. Donc, vu que ça avait pas mal marché quand même l'année dernière sur mon ombrière, je l'avais éclairci avec ça. Donc je me suis dit, on va tester, on verra bien. Par contre, un truc que je voulais vous demander, dites-moi les filles, est-ce que vous avez déjà commandé sur My Little America? Dites-le moi. Si oui, est-ce que vous en êtes contente? Parce que moi, personnellement, j'ai un avis super mitigé du coup dessus. Voilà, est-ce que vous avez déjà commandé sur ce site ou plutôt sur My American Market, lequel vous préférez? Parce que moi, pour l'autre là, le Little America, My Little America, franchement, je suis un peu déçue. Voilà, je pense que voilà pour déjà, ok, ils nous disent que le colis met de 72 à 96 heures. Jusqu'à là, parfait. Alors, j'ai un peu trouvé que, voilà, je sais pas. J'avais commandé dimanche soir. Lundi soir, je reçois un mail comme quoi, mardi normalement la commande était expédiée alors que après j'ai plus une nouvelle du tout dans le suivi ça allait mais voilà je voyais que ça bougeait pas par rapport au suivi on me dit que oui on m'envoie un mail par rapport à quand récupérer un mail ou un SMS quand récupérer mon colis je l'ai reçu il me semble 4 heures après que mon colis soit disponible. Bref, j'ai pas du tout... Après, bon, le truc pour le colis, ça peut arriver. Mais voilà, le fait des bonbons, là, qui soient encore bons, entre guillemets, une semaine. Que soi-disant qu'on peut les manger encore par la suite. Voilà, c'est possible. Je dis que c'est possible, mais... Voilà, pour moi ça fait trop. Je sais que je suis super exigeante, je suis chiante, mais si déjà on met le prix, voilà quoi. Donc dites-moi aussi, c'est moi qui est complètement débile, mais je trouve ça juste, voilà, pas correct. Voilà, même si, je sais pas. Dites-moi, vous ressentez, dites-moi si vous avez déjà commandé sur, voilà, un de ces deux sites, lesquels vous préférez. Si vous avez déjà aussi commandé sur CandySan, parce que je voudrais aussi commander dessus. Mais je sais que c'est super long et les frais de transport sont
Les frais de port, par contre, pas les frais de transport. Ouais, c'est la même chose. Les frais de port sont quand même relativement chers. Donc voilà. Dites-moi tout ça. Sinon, si vous avez d'autres plans comme ça pour des sites de voilà tester, je prends pas grand-chose juste pour tester. Et après, voilà. Je vous fais cependant, je vous fais d'énormes bisous. Je sais que le vlog aujourd'hui, c'était pas un truc de fou, mais voilà. C'est moi et c'est ma vie et voilà. Et maintenant, je vais continuer à me. Je crois que je vais faire le montage comme ça. C'est fait, c'est prêt pour demain. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais vous dire encore un truc, je sais pas. Oui, je sais pas ce que ça va donner niveau qualité parce qu'en fait, j'ai principalement inconsciemment filmé quasi tout ce vlog avec mon portable. Donc voilà. Sur ce, je vous fais vraiment d'énormes bisous. Bisous, j'espère quand même que ça va vous plaire, même si c'est relativement petit et qu'il reste rien à faire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!